Le point sur l'actualité, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo était ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Le chef de l'exécutif a relevé des motivations qui ont poussé le gouvernement à rectifier la loi des finances de l'exercice 2016. Il s'agit entre autres du taux de croissance qui était prévu à 9%, mais qui du reste se voit projeté à 66%, une baisse due à la dégradation de la conjoncture économique mondiale. Augustin Matata Ponyo a également évoqué l'amenuisement de recettes dû à la baisse des prix des matières premières et également à la révision des crédits liés aux ressources externes. Conséquence, le budget de l'État 2016 voté en 2015 se voit réduit à environ 20%. Les députés nationaux ont exprimé leurs préoccupations. Celles-ci auront de réponse lors de la réaction du Premier ministre. Au Sénat, c'est plutôt le ministre de l'Énergie et Ressources Hydrauliques qui répondait ce lundi aux préoccupations des sénateurs sur la question orale avec débat relatif aux modalités de la mise en œuvre du traité de développement du Grand Inga. Son collègue des Affaires étrangères, lui, est revenu sur la même question, mais en justifiant la création de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga. La situation qui prévaut à l'est de l'RDC préoccupe. Dans une lettre ouverte adressée depuis ce dimanche au chef de l'État, les forces vives de la ville de Béni annoncent 3 jours de ville morte à partir de ce mercredi 18 mai. Elles sollicitent également la réévaluation de l'opération Sokola 1 contre les ADF et invitent pour ce faire leurs pairs d'autres provinces de se joindre à leur démarche. Erika Smussi pour de plus amples détails. À travers cette décision, les 4 coordinations de forces vives au Nord Kivu disent vouloir faire sauter les verrous après la mort sauvage des 1116 personnes dans les Lubero et Beni. Georges Katsongo. D'observer 3 journées ville morte à partir du mercredi 18 mai au vendredi 20 mai 2016 et organiser des deuils en mémoire des 1116 personnes tuées sauvagement en territoire de Beni et de Lubero. Les forces vives plaident également pour les enquêtes internationales en vue d'établir les responsabilités des uns des autres. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, de déclarer le massacre de Beni Lubero comme un acte de génocide et d'y mener une enquête internationale indépendante en vue de la mise en œuvre d'un tribunal spécial, d'évaluer les actions de la brigade d'intervention de la MONUSCO et rendre compte à la population en cas de résultats inefficaces. Nous réclamons une opération du genre Artemis pour mettre fin à ce massacre. Elles invitent enfin le président congolais à mettre fin à cette spirale de violence. Au chef de l'État d'assumer son pouvoir régalien en tant que commandant suprême des forces armées en assurant la sécurité des personnes et de leurs biens. Au gouvernement congolais d'accorder la même attention aux morts de Beni et Lubero qu'à ceux d'ailleurs. Disons que dans cette même lettre ouverte, les forces vives souhaitent que la communauté internationale puisse peser sur le Rwanda et l'Ouganda afin de cesser d'alimenter les génocidaires en ressources humaines et en logistique dans les territoires de Beni et Lubero. Toujours dans ce coin, 10 personnes accusées de criminalité, dont l'avis de Goma a été présenté à la presse ce lundi par le colonel François Niamouro Guerrero, commissaire provincial ad intérim de la police nationale congolaise Nord Kivu, au cours d'une parade qu'elle a présidée. Parmi ces présumés criminels figurent des violeurs, des kidnappeurs, des contrefacteurs et tant d'autres. Nonobstant la sécurité dans la province, la police se félicite du travail abattu par le service de sécurité pour la stabilité du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Patrick Sialoura. Ces premiers groupes constitués de 3 personnes présentées à la presse. Second groupe est un couple spécialisé dans le kidnapping des enfants en ville de Goma. Le troisième cas est celui d'un sujet rwandais, handicapé de son état et accusé de fraude et coups et blessures volontaires sur un agent de l'ordre. Des faussaires et des escrocs, tous ont été présentés à la presse au cours de cette parade présidée par le colonel François Munaru Guerrero, commissaire ad intérim de la PNC Nord Kivu. Cette parade a été une occasion pour la commissaire ad intérim de la PNC Nord Kivu de se féliciter du travail abattu par les policiers dans la lutte contre la criminalité à Goma. Mais toutefois, le colonel Munaru Guerrero Françoise appelle les policiers à la discipline dans l'exercice de leur travail. Parce que c'est très grave, un policier qui travaille sans être formé. Vraiment, j'insiste. Premier soin qui s'annule, finissez quoi, ça ce sont des antivaleurs
que je ne voudrais plus entendre le sein de la police. Sinon, votre place n'est pas ici. Zongi Satenu a vu ça. Tous ces criminels présentés à la presse seront déférés devant les instances judiciaires, a conclu la patronne AI de la PNC Honor Kivu. Pendant ce temps, le gouvernement congolais va en guerre contre la concurrence déloyale et la suspension des commerces frauduleux qui sabordent l'économie nationale. Ce sujet a été débattu ce lundi lors de la Troïka stratégique. En outre, l'exécutif national s'est aussi félicité de la poursuite de la paie des fonctionnaires avant de rendre un hommage en mémoire de Banza Mukalai, ministre de la Culture et des Arts, décédé le 14 mai dernier. Suivez le compte-rendu fait par le ministre de l'Économie, Bahati Lukwebo. S'observe que notre taux d'inflation est toujours contenu. Sur le plan international, il est à 1,13%. Contre 1,15 sur le marché de Kinshasa. Pour ce qui est de la paye des agents et fonctionnaires de l'État se poursuit normalement et des mesures ont été prises pour que les coins les plus éloignés puissent également être servis le plus rapidement possible. La Troïka a examiné la situation du ciment, la situation des fers à béton, la situation du sucre. Les importations frauduleuses continuent et le gouvernement est tenu et appelé finalement à prendre des mesures qui s'imposent. La tendance, c'est de suspendre les importations de produits qui sont en train de dérégler la situation économique du pays, notamment donc le sucre, le fer à béton, le ciment. Nous sommes également en train de voir comment étendre cela à d'autres produits comme les huiles, les alcools. La cimenterie de Lukala fait face à une concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'il y a du ciment qui entre par Lufu, par Angoango, par Kimpangu, et même parfois par Matadi, mais lequel ciment en fait entre de manière frauduleuse ou alors ne paye pas les droits de douane comme cela se doit. Et puis ce communiqué avant de poursuivre cette édition, la commission spéciale chargée de l'agrément à des premiers membres de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, ONEC, RDC en sigle, informe les candidats experts comptables admis à la formation prévue à l'article 75.4 de la loi numéro 15-002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, que la dite formation débutera le lundi 23 mai 2016 pour se clôturer le samedi 9 juillet 2016 par l'organisation d'un jury d'aptitude professionnelle. La formation se déroulera simultanément dans les trois sites retenus par la commission spéciale tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 16h. La répartition des candidats par site se présente comme suit. Poule de Kinshasa, candidat de la ville province de Kinshasa, de la province du Congo central, des experts des ex-provinces du Bandundu et de l'Équateur, lieu de formation Centre catholique Nganda à Kinshasa, à Kitambo, poule de Lubumbashi, candidat des ex-provinces du Katanga, Kasaï oriental et Kasaï occidental, lieu de formation salle de réunion de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Lubumbashi, poule de Goma, candidat de l'ex-province orientale des provinces du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu, lieu de formation, hôtel et aussi à Goma. Il est demandé aux candidats concernés de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour rejoindre leur poule de formation au plus tard le lundi 23 mai 2016 à 8h30, munis de leur pièce d'identité communiquée signée Alain Foucault, Tomena, premier vice-président. En politique, poursuite de la campagne politique du mouvement de réformateurs libéraux sur les valeurs qu'incarne ce parti politique membre de la majorité présidentielle. En deuxième étape, la commune de Bandalungwa était la cible de cette plateforme, une municipalité de beaucoup d'enjeux politiques pour le MRL qui veut installer ses bases et aligner plus de membres au sein de ce parti politique. Vêtu de t-shirts blancs avec effigie du mouvement des réformateurs libéraux, parti cher à l'honorable Patrick Akwata, ces hommes et ces femmes, tous communicateurs de ces partis politiques,
poursuivre la sensibilisation de la population sur les valeurs intrinsèques du MRL. La commune de Bandalungwa était la deuxième étape de cette campagne qui évolue normalement à travers la capitale. Site du président. Je suis un jeune et je suis pour le dialogue. C'est pour cela que je suis en train de sensibiliser plus de jeunes encore pour adhérer dans la même idéologie que le chef de l'État, le dialogue. C'est un parti de jeunes. On est en train de voir comment est-ce que nous, les jeunes, on peut apporter un plus dans le dialogue. Faisant d'une pierre deux coups, ces cadres ont également procédé à l'adhésion massive des nouveaux membres, question d'offrir à la population quinoise un cadre idéal d'épanouissement politique et une tribune d'expression démocratique. J'ai échangé avec les responsables, le secrétaire général du parti. Je me suis intéressé, j'ai rempli la fiche, donc ça dit, au moment où nous parlons, je suis membre. Je suis jeune, je préfère aller dans un parti de jeunes. Le MRL, qui salue la tenue dialogue inclusive, jugé comme seule voie de sortie de la crise en RDC, veut à tout prix imprégner à ses partisans sur les tenants aboutissants de ces forums nationaux. Je l'annonce à l'ouverture de ce journal. C'est un homme d'État et de culture que le pays vient de perdre, témoigne Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Baudouin Bandiamoukalaï, ministre de la Culture et des Arts, s'est éteint samedi soir. En attendant le programme des obsèques, des témoignages en endroit de cet éminent acteur politique fusent de partout. Et on se souviendra que c'est son ministère qui avait organisé les obsèques de Papa Wemba. Bref, parcours de ce personnage dans ce récit de Guilain Kabanozi. Quand vous dites artiste congolais, on regarde, on ne vous retrouve pas. Donc on dit déjà que vous avez commis un faux. Voilà pourquoi, ensemble, nous avons voulu que nous nous rencontrions pour approfondir qu'il faudrait un jour, qu'il y ait un jour sans musique, sans cinéma et sans ça. Non, je ne voudrais pas qu'à l'issue d'une telle réunion, une telle déclaration, en fait. Disons que le monde culturel et sportif est doublement endeuillé. François Ngombe Boseko dit Maître Taureau, l'un des cofondateurs de l'équipe de football des Sampé, a aussi tiré sa révérence cette nuit de suite d'une longue maladie. Ce patriarche de la culture et du football fut footballeur, artiste, musicien, danseur, créateur des spectacles, promoteur de concours de beauté et autres. Toute la famille sportive et culturelle pleure l'illustre disparu. Et puis, je vais l'annoncer à l'ouverture de ce journal, des ménages font partie de grands producteurs de déchets. Ainsi, une gestion responsable des ordures ménagères constitue un pas dans la participation de la préservation de la planète. Comment les femmes détenteurs des ménages quinois s'y prennent dans cette gestion des déchets, de la production à l'élimination, éléments de réponse dans ce dossier. L'homme est appelé à survivre, ce qui le conditionne à une gestion rationnelle de tout ce qui l'entoure. Les déchets produits par les ménages au quotidien contribuent à la pollution. Pourtant, ces déchets peuvent bien être canalisés, récupérés et transformés. À Kinshasa, les femmes se départagent leurs expériences sur la gestion rationnelle des déchets ménagers, de la production à l'élimination. Les sachets avec les déchets, les légumes, on met dans un sachet. Les choses qui sont mélangées avec de l'eau, on met dans un cas. Après le soir, on va jeter dans les poubelles. Déconfiné de préparer, nous avons un bol où l'on déverse tous les déchets. Sachets d'eau pure, papier y compris tout ce que les passants jettent. On cercle et on les brûle. Quand je viens du marché, j'arrange mes choses, même si je fais les pondous. Après avoir arrangé les pondous, il y a des petits bâtons, hein, sur les déchets, quoi, je devais jeter. Je sépare, c'est pour cela que j'ai utilisé différents sachets. Il y a les sachets là où je mets les déchets de pondou, les sachets comme, par exemple, les poissons. Les poissons, quand vous arrangez un peu de l'eau, là, hein, on sépare, on met pas dans un même sachet, non. Les bonnes recommandations, par contre, exigerait un tri préalable à la maison selon la nature des déchets. Souvent, les femmes ne savent pas comment gérer les déchets. Quand on a ces déchets, on a fini à préparer, on a balayé les tout, on met dans un même bac. En principe, on sépare les déchets en fonction de leur nature.
Je venais de dire qu'il y a des déchets dégradables, biodégradables et des déchets non biodégradables. Donc on ne peut pas mettre par exemple les sachets dans un même bac où on a mis des déchets, par exemple des feuilles de chikwang ou du pondou ou de foufou restant. Donc on doit avoir des bacs spécifiques où on ne met que les sachets et les plastiques et tout ce qu'il y a comme dérivé des plastiques et des sachets. Même au niveau de la maison, avec deux seaux, on peut séparer ces bacs de récupération des déchets. Donc désormais, les femmes ne mélangent pas tous les déchets séparés en fonction de leur nature. Je le dire à Lingala, les déchets, c'est-à-dire babiloko et polaka, il faut mettre ça de côté. Oye et polakate, on les met aussi de côté. Une gestion responsable des déchets produits par les ménages permettra d'assainir durablement les milieux et de faciliter le recyclage, mais aussi procurer autre source de financement. À retenir que le plus grand déchet sont ceux des ménages et ces déchets ont de l'impact direct sur l'écosystème. À la ménagère précisément revient cette lourde responsabilité de départager ces déchets. Et puis, ce constat amer qui décrit la faible fréquentation des bibliothèques à Kinshasa à part les Kinois, peu d'hommes et de femmes se rendent dans des bibliothèques alors qu'elles sont créées pour la lecture et la recherche. Ce constat est fait par notre reporter à la Bibliothèque centrale de l'Université de Kinshasa et à la Bibliothèque Fleur de Lys à Ngaliba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. José Makila, gouverneur de la province du Sud d'Ubangi, à la quête de moyens financiers pour le développement socio-économique de sa juridiction. Pour ce faire, le numéro 1 du Sud d'Ubangi a sollicité l'appui du gouvernement central ce lundi. Il a été reçu respectivement par Thomas Louaka et Germain Kambinga, respectivement ministre des Pétantiques et ministre de l'Industrie. Tous lui ont promis de soutenir son plan de développement socio-économique du Sud d'Ubangi. Après sa prise de fonction comme gouverneur de la province du Sud Ubangi, José Makila entame un processus visant à appliquer les développements dans sa juridiction. Une démarche qui doit nécessairement appeler l'implication du gouvernement central. José Makila entend mettre un accent sur l'agro-industrie. Ma province a comme vocation l'agriculture et nous voudrions que le FPI puisse participer au développement de notre province par le financement des agriculteurs afin de transformer les produits agricoles. C'est pourquoi je suis venu voir le ministre pour que le Made in Congo qu'il a lancé, qui est une idée géniale, ne puisse pas se limiter au niveau de Kinshasa. Pour sa part, Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, se dit très ouvert. Il a rassuré au numéro 1 du Sud Ubangi de l'accompagnement de son ministère en intégrant sa province dans le programme du développement en cours. Nous avons accueilli très favorablement les propositions du gouverneur. Nous allons descendre sur place, voir quelles sont les opportunités en termes d'accompagnement des industries du secteur agricole de sa province, mais aussi voir en termes de prospective comment est-ce que ces terres agricoles du Sud-Ubangi pourraient figurer dans le schéma d'arbitrage du gouvernement. Autre plaidoirie est celle de l'amélioration de la couverture de la communication au Sud d'Ubangi, d'où la présence de José Makila au ministère des Pétantiques. La faible couverture des réseaux de communication dans mon province, je lui ai fait part de cela pour qu'on puisse résoudre ça avec les opérateurs de ce secteur. En deuxième lieu, c'est pour voir quand est-ce que j'aurai la fibre optique dans la province du Sud d'Ubangi. Il m'a dit que nous étions dans la troisième phase. La deuxième phase venait de se terminer. José Makila compte poursuivre cette démarche avec d'autres autorités du pays afin de booster les développements socio-économiques du Sud Ubangi. D'une province à une autre, retour de la paix au sein de la section de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kasaï centrale. Le président national de l'UNPC, Kasonga Chilundi, a présidé ce lundi une assemblée générale extraordinaire et élective pour combler le trou et d'autres pour restaurer le bon climat dans cette section. Il a par la même occasion invité les journalistes à la consolidation de la paix. À la commission de discipline, principalement, j'ai dit que vous êtes là pour défendre les journalistes et non pas pour les vendre. Vous êtes là pour défendre les journalistes et non pas pour les sacrifier. Tout ce que vous faites doit converger dans le sens à ce que les journalistes se sentent sécurisés, se sentent protégés.
Et à ce niveau-là, lorsque le journaliste va sentir que ceux que nous avons élus, à qui nous avons donné mandat, nous sécurisent, nous protègent, vous allez voir tous les petits problèmes ici, vous l'invitez, le journaliste va venir parce qu'il sait que c'est là où il y a la vérité, c'est là où il y a l'objectivité. Mais lorsque quelqu'un sent que cet organe-là ne m'inspire pas confiance, il se recroqueville et il n'a plus confiance, et à ce moment-là, les rapports humains sont affectés. Enfin, je réitère la même demande à tous les journalistes qui sont ici pour que, quand vous restez, vous compreniez que le Kassaï occidental est bel et bien morte de sa belle mort avec tous ses problèmes et qu'aujourd'hui nous sommes dans le Kassaï central, que nous puissions partir dans cette nouvelle province avec de nouvelles mentalités pour qu'on sente que la presse dans cette province est majeure et responsable. Je l'ai senti dans vos interventions, j'ai vu que vous êtes des jeunes brillants. Et demain, je ne manquerai pas de dire que je suis parti, mais je suis là parce que vous êtes là. Ravivez cette flamme et arrêtez de vous distraire. Le sport, avant de nous séparer, ce soir mardi 17 mai que débutera la phase de poule de la 52e Coupe du Congo de football. 6 rencontres sont prévues lors de ce championnat qui se déroulera dans 3 zones du pays. Poule ouest de Kinshasa, poule est à Goma et poule centre-sud à Lubumbashi. Merci à vous de nous avoir suivis à Kinshasa et aux États-Unis d'Amérique, plus précisément en Californie.